cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savat. Professor Butron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savat in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who train in the noble art of French foot fighting Savat understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savat's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savat as told by its professors. Je m'appelle Jean-Pierre Jolémont, je pratique la boxe française depuis novembre 1964. Et en fait, pourquoi? Parce que quand j'étais gamin, j'entendais toujours mon père à côté, enfin les exploits de ses frères qui se battaient dans la rue, notamment adossés au mur contre 3-4 adversaires qui s'en sortaient. J'ai voulu savoir ce que c'était exactement comme discipline, il m'a dit, bah, il pratique la boxe française. Donc j'ai trouvé ça assez épatant. On ne connaissait pas du tout, on n'en voyait plus faire. Donc j'ai voulu pratiquer, seulement je ne savais pas où, donc je suis entré à l'armée et directement après mon civilité, mon père m'a conduit à la salle qu'il avait retrouvée et l'entraîneur c'était Monsieur Orlet. Monsieur Orlet avait pratiqué la boxe française avec son père qui avait pratiqué avec son grand-père et dont un des deux avait rencontré Charlemont à Verviers en 1897 si mes souvenirs sont bons. Donc j'ai commencé à pratiquer en novembre, j'ai fait mon premier combat l'année suivante, j'ai d'abord fait un match nul, le deuxième je l'ai gagné, puis bon ça s'est enchaîné. 4 ans après, je suis devenu moniteur, j'ai ouvert mon propre club, je l'ai ouvert à 10 ans, et j'ai voulu, disons un peu avant d'ouvrir le club, en fait, j'avais appris que des anciens professeurs étaient revenus de Paris. Ils avaient rencontré notamment le comité national de boxe française. J'ai pris contact avec Bernard Plazet, qui m'a invité à venir prendre des cours chez eux. Donc je suis venu à Paris en 68. J'ai suivi des cours avec Claude Simoneau. Mark Hunsley qui avait un autre club à Paris Match, et à Paris Match j'ai vu des photos d'un professeur qui enseignait à Cannes, ça m'a intéressé et en fait il s'agissait du professeur Lafont. Donc quand j'ai quitté Paris en 68 avec mon diplôme de grand argent premier degré, je suis rentré en Belgique et j'ai contacté directement le professeur Lafont qui m'a invité à venir passer 8 jours chez lui pour apprendre les techniques de la salle Lafont. Donc ce que j'ai fait, l'année suivante, je me suis rendu à Paris. J'ai été dans plusieurs de ses salles, j'ai suivi ses cours, je suis rentré en Belgique. Les premières années, j'ai invité plusieurs fois à venir faire des démonstrations, tirer avec ses élèves. On a fait, je pense, une compétition, notamment à Spa. Et petit à petit, avec, mon emploi du temps, j'ai décidé de quitter la fédération belge existante pour créer une nouvelle fédération. J'estimais qu'il n'y avait plus de progression, que ça n'évoluait pas. Et je
enfin, j'ai été obligé, pour être reconnu par le ministère, à ouvrir des clubs de la province de Liège, de la province de Namur, de la province du Brabant, parce qu'il fallait minimum 250 élèves et des clubs dans trois provinces pour être reconnu par l'administration des sports. Oui, je veux dire, entre la pratique de la boxe française au sein de la fédération et la pratique de la boxe française chez Lafond, il y a une très grosse différence. En plus de ça, je veux dire, les deux, il y avait des divergences de vues qui faisaient qu'ils ne s'entendaient pas trop. Mais dire, pour moi, personnellement, il y avait à prendre un peu dans les deux. Le professeur Lafond travaillait, je veux dire, dans un style plus aérien, travaillait quand même beaucoup dans les jambes, et avait des techniques qui étaient un peu différentes des techniques de la fédération. Donc, en plus de ça, il avait l'avantage de pratiquer la canne, qui m'intéressait également. Le tenu de la canne était différent de ce que j'avais pu voir à la fédération, mais qui ne l'enseignait plus du tout. Et alors, le professeur Lafond enseignait le panache, qui était une espèce de méthode de self-défense avec des coups interdits en boxe française, mais que j'ai pas spécialement approfondi. En fait, le gros problème qu'on peut rencontrer, c'est que en fait, la boxe française, telle qu'elle est pratiquée en Belgique, du moins chez le professeur Orlet, était, je veux dire, légèrement différente de ce que j'ai pu voir en France. Et passer d'une méthode à l'autre, ce n'était pas tellement évident. Ce qui fait que, je veux dire, comme il y avait, pour moi personnellement, du bon un peu dans chaque méthode. En ce qui concerne la méthode belge, bah, j'ai travaillé des deux jambes, forcément, et j'ai plutôt assimilé la méthode française uniquement avec la jambe gauche. Donc, résultat, quand je donne des fouettés, par exemple, ils ne sont pas nécessairement les mêmes de la jambe gauche que de la jambe droite, parce que bah, j'ai plus travaillé les fouettés comme on les fait en France de la jambe gauche que de la jambe droite. Personnellement, ce que je peux dire, c'est que les fouettés, du moins à l'époque, enfin, les fouettés tels qu'ils étaient pratiqués en Belgique, ils étaient plus latéraux, ils partaient dans un mouvement latéral du début à la fin, tandis qu'en France, ils étaient plutôt obliques et la finalité était rectiligne, circulaire. Donc, c'est la plus grosse des différences que j'ai pu remarquer. Personnellement, je préfère toujours la méthode belge parce que, bon, je veux dire, quelque part, lors des compétitions, ben, les Français connaissaient moins notre méthode, nous on connaissait peut-être moins la méthode des Français, mais en fait, disons, ça permettait d'avoir un travail différent, quoi. Bon, la grosse différence, je vais dire, entre la boxe française, qui était pratiquée, comme telle qu'elle est pratiquée à l'époque et maintenant, c'est que moi, en tout cas, quand j'ai commencé, en Belgique du moins, c'était la fin, je vais dire, des combats à la touche. Donc, chaque fois qu'un des tireurs était touché, l'arbitre arrêtait et repartait pour une nouvelle touche. Moi, j'ai directement commencé en combat total. À cette époque-là, il y avait 80% de pieds et 20% de poings. Donc, en chaque série de coups de poing, il fallait obligatoirement repasser par une série de coups de pied, ou alors l'arbitre intervenait. Au fur et à mesure des années, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de plus en plus de coups de poing. Pourquoi? Parce que le règlement a été modifié. Les séries de coups de poing étaient limitées à 50% pieds-poings. Donc, je veux dire, ceux qui pratiquaient plus l'anglaise étaient un peu plus avantagés. Puis à un moment donné, il y a une scission, je veux dire, des années 70, où là, aussi bien en Belgique qu'en Italie qu'en France, il y a les partisans, je veux dire, d'un sport plus axé sur, je veux dire, sur le combat, moins technique, enfin, du moins pour moi, et les partisans je veux dire, de la vieille école où là, bah, il fallait absolument pratiquer la boxe française, que les pieds aient la préférence au poing. Et alors, on est arrivé à l'époque où des Français sont partis, notamment au Japon, rencontrer des kickboxers qui avaient d'autres techniques. Ils se sont mis en rapport, notamment Guillaume, avec les Hollandais qui pratiquaient du kickboxing et de la boxe thaï.
À ce moment-là, les fédérations sont scindées en deux. Il y a la boxe française d'un côté et la savate de l'autre. En boxe française, ça restait plus ou moins technique, même plus technique que combatif. Et au niveau de la savate, bah là, c'était du combat. Il y avait autant de coups de poing que de coups de pied. C'était plus vraiment limité. En plus de ça, les Hollandais pratiquaient le kick qui n'est pas autorisé en boxe française. Lors de quelques manifestations, j'ai remarqué que les arbitres n'intervenaient pas souvent. Ils laissaient donner le kick. Et pour finir, bah, le kick est adopté au moment de la réunification boxe française savate par la réunification. Ainsi que chassé frontal. Et depuis, la boxe française, veut dire quelque part, est devenue un peu un autre sport, si on peut dire. La savate, veut dire telle qu'on la pratique maintenant, du moins pour moi, ressemble plus à du kickboxing que vraiment de la savate. Dans mon esprit, c'est une erreur, parce que finalement, la boxe française perd de. Comment est-ce que je peux dire ça? De sa spécificité. Pour certains combats, en tout cas, à part la tenue qui fait reconnaître un tireur français d'un pratiquant d'une autre discipline, bah, c'est difficile de dire celui-là il vient de la boxe française, celui-là il vient du kick, parce que les techniques sont tellement ressemblantes que les fouetter. Les chassés, enfin, toutes ces techniques sont moins armées au départ. Les frappes sont pratiquement en fait déjà obtenues. Je pense que c'est une erreur parce que quand je parle avec d'autres pratiquants, notamment dans d'autres pays qui seraient intéressés par la boxe française, ce qu'ils me disent, c'est que bon, la boxe française, telle qu'elle est pratiquée ou on la reconnaissait comme dans les années 70-80, nous intéresse. Mais si on voit la boxe française comme on la pratique maintenant, bah, ça ressemble tellement du kick que bah, ça ne nous intéresse pas. Parce que dans nos pays, du kick, on trouve des combattants tant qu'on veut. Et si on en trouve en boxe française, il n'y en a pas, il n'y a rien. Donc on continue avec le kick. Maintenant, la boxe française telle qu'elle était à l'époque, était spécifique. C'était un sport bien différent. Et ça nous a, ça, à la limite, ça nous intéresserait de pouvoir en pratiquer et de la développer. Je pense finalement que l'erreur des responsables de la boxe française, ou peut-être même des professeurs, c'est que finalement, on a gardé l'aspect sport de compétition à la boxe française, en lui supprimant, je veux dire, tout ce qui était la partie self-défense, qui pouvait être enseigné à part, mais qui était interdit aux compétitions, un petit peu comme le karaté, mais lui qui a évolué à l'envers, puisque c'était plutôt je veux dire, un art de combattre. Finalement, ils en ont fait un sport de compétition. À la limite, bah, c'est le karaté de maintenant, c'est plus le karaté de l'époque. Et à la boxe française, bah, on n'a fait que de la compétition, alors qu'on aurait pu enseigner la CAN, pas nécessairement par le même professeur, mais dans le même club, enseigner la boxe française sportive, enseigner la boxe française de défense. Qui à la limite aurait pu être un seul cours dans lequel on aurait dit bon, cette technique-là pour les faire, mais uniquement celle de force pour la compétition. Et je pense qu'ils ont gardé cet aspect celle de force en plus du reste. Je pense que le développement aurait été plus facile et meilleur.